Hey, salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Tales of Zestiria. Donc, la dernière fois, on a fait une petite virée vers le village de... Je ne me souviens plus comment il s'appelle, donc on va sortir de leur auberge. De Gododin, pour, à la recherche du pape. Et du coup, eh bien, on va visiter un petit peu. D'ailleurs, oh, tiens, pourquoi il y a des toiles ici? Ah oui, je pense que c'est parce qu'on ne peut pas aller par là. On va visiter, attendez, on va aller voir par là-bas. Donc en off, j'ai farmé un petit peu. Vous savez le petit mob, enfin le gros mob plutôt, une sorte de boss. Je parle pas de la chimère, je crois que c'était une chimère. Bref, je parle du mille pattes jaune hein, qu'on avait vu. Eh bien, j'ai réussi à le rect. Hein, et aussi le gros truc méchant. Je crois que vous ne l'aviez pas vu en vidéo. Mais un gros truc méchant dans la plaine. Oh bah tiens, un coffre. Examinez. Gâteau roulé. Ok. Ok, nice. Donc du coup, sûrement quelque chose que vous m'aurez dit. Mais tout ce qui est... bon, ça c'est nouveau, oui, on le sait. Mais en tout cas, les encas... les encas, attendez, je ne sais pas. Non, c'est juste pour nous rendre des trucs. C'est les herbes, oui, ça donne des bonus permanents. Hein. Permanents, donc genre si ça augmente de 1 de B... non, c'est 10 PV généralement. 10 PV max, bah, ça m'augmente de 10 PV max. Hein. どうかすのは無理だね。そうでもないけど。江戸なの術なら試してみてくれ。やってあげてもいい。ミクリオが江戸なお嬢様、どうか岩をどかしてくださいって頼むなら。おい、ふざけてる場合じゃ。手がかかるのよ。江戸なお嬢様はね。根に持つな。ほら、早く言いなさい。江戸なお嬢様、どうか未熟な巫女に代わって岩をどかしてくださいませませ。 増えてるぞ。早くしないともっと増えるけど。エドナさん、意地悪はその辺にして。この岩をどかしてほしいんだ、エドナ。お願いします。すればいいのよ。俺もいつの間にか力を貸してもらうのを当たり前に思ってたかもしれない。そういう心のせいで汚れが広まるのを見てきたのにな。感謝を忘れちゃダメなんだよな。天族を祭りにも仲間と旅をするにも。 いいわ。私の巨海の腕をあなたに預ける。スレイに冗談は通じないよ。よし、未熟なミボに代わって岩をどかしてみるか。それも言うのか。本当冗談通じない。La force du géant appuyée sur bas pour lancer la force du géant et détruire d'énormes objets. En frappant un ennemi vulnérable à la terre, vous pouvez commencer. Enfin, on a éclat rock. Boum. Oh. Enfin, on a éclat rock. Et ça, c'est cool. Il y a un trou ici. Et je défonce tout. Enfin, bon. Du coup, on a notre 4 capacités élémentaires. Donc avec le feu, la puissance colossale et tout. Hop. Ah, ok. Nanda, Coco. Souko, mitaida. 倉庫なんだよ。近頃貴族の間で流行ってるこれのね。エリクシール。偽物だけど、なんか体が熱く。偽エリクシールって滋養強壮薬だから、しかも結構な依存性がある。 1回売れば需要が保証される。悪質ね。そんなものが教会のお墨付きで売られているのですか？証明書はローランス教会の印が押された本物。
なのに売上金はこの村に流れ込んでた。調べたお金の流れってそれか。誤導人に本物の証明書をかける人物がいると知れば。失踪した教皇様。村の資金源も説明がつくね。村長の汚れの理由も。共犯か。もしくは村長が教皇か。貴様ら、どうやってここに。こいつまさか。 Alors, toi, t'es niveau 30. Donc, du coup, bon, j'ai farmé un petit peu. Hein, on est tous niveau 30, 31. Donc, bon, ça va aller. Ça va aller pour le reste. C'est le chef. Oh, mais si c'est le pape, il est pas très puissant. Regarde. Ah oui, il a que 3980. Ok, bah, il se fait bien bolos. Hein. Allez, bouge-toi ça. Ça, voilà. Et c'est bon. Oh d'accord, 57 XP. Hein. On remarque mieux ce qui ne va pas. Bien joué ça. え、村長じゃない。やっぱり村長さんを捕まえに来たんだな。そんなことさせねえ。やめろ。一体何があったんだ。あなたは町ドラ教皇様。 調べはついているのだな。なんで教皇様がこんなことを。聞きたいのはこっちだ。なぜ私が教皇などという望んでもいない仕事をしなければならない。私が聖職に就いたのは家族にささやかな感を与えたかったから。ただそれだけだったのに。 でも、あなたを慕っている人は大勢います。騎士団のセルゲイたちだって。分かっている。だからできることを必死でやった。自分を顧みず、皆のために何十年も。その結果、気がつけば、家を顧みない男と憎まれ、私の家族は跡形もなくなっていた。 私は一体何のために。ハイランドとの戦争には関わったの？戦争も国も民も全部投げ出して逃げた。全てがどうでもよくなったのだ。死ぬつもりでも領をさまよい、動けなくなったところを彼らに救われた。ゴド人の皆は 私に何も求めず、ただ家族のように接してくれた。それで村のために働こうと思われたのですね。偽エリクシールを売りさばいてまで。帝国も教会も知らん。卑怯者と言いたければ言うがいい。今の私は家族のために生きている。 家族のため。か。同情はするよ。けど、教皇を連れ戻さないと。碑文を読まなきゃ気力が得られないし、セルゲイたちも枢機卿に対抗できないよな。ですが、村長さんの人望と手腕がなかったら、加護のないゴド人はどうなってしまうか。 わかるけど、同じことはペンドラゴにも言えるよ。そもそも、こいつが逃げたのが原因。責任を果たさなくていいわけ。何か方法があるんじゃないか？碑文を読んでもらって、ゴド人に戻るとか。騎士団や教会があの状況では、この人を解放してくれるって思う？おお。 Oh, il va quand même pas claquer à ce moment-là. Oh. Alors, ouais, je suis curieux de savoir ce que les viewers vont dire sur leur chef. Okay, bonjour. Je vous en prie, vous devez laisser partir le chef. Je suis prêt à endosser le crime d'avoir vendu ce faux élixir.
Je dois parler à tout le monde. Non, sérieusement. Sérieusement. Oh non, mais là, par contre, les potes... Oh merde. J'avais étudié dur pour pouvoir remplacer le chef un jour. Si le chef est irresponsable, est-ce qu'on devrait dire de ceux qui lui ont relégué toutes les... Qu'est-ce qu'on devrait dire de ceux qui ont relégué toutes leurs responsabilités, hein? Vous pouvez bien dire ce que vous voulez. Il a sauvé notre village au péril de sa vie. Ce n'est pas drôle quand le chef est malade. Les autres adultes sont nuls pour donner des cours. Tout le monde sait quel genre d'homme est notre chef. Si vous êtes vraiment venu l'emmener, vous devrez nous passer sur le corps. Pendant la préparation, l'élixir produit un puissant poison. Je pense que c'est ce qui a dû provoquer la maladie du chef. Il a continué à fabriquer de l'élixir pour nous alors qu'il était parfaitement conscient des risques. Ah, d'accord, c'est juste ça. Anshinshite. Ore no yōji wa mou sunda yo. Minna, ochitsuite kure.心配はいらない。この方は本物の同志だよ。同志よ。一つだけ分かってください。村の皆に罪はない。全ては私の。俺は事情を知りたかっただけなんだ。だから帰るよ。このまま。いいかな? わかんない。けど、スレイが、この人を信じたのは分かった。だから、いいよ。ロセさん。あるのかな?城でも黒でもないって。セルゲイさんたちも、きっと理解してくれますわ。問題は数奇鏡の領域に、どうやって対抗するかだよ。それなんだけどさ、解読できないかな?碑文の暗号か?自分で解く気?無茶じゃないだろ?人が考えたものだし、何より面白そうだ。そうだけど、せめてヒントくらい教えてもらわないと。どうしよう。 Waouh. Et il est rapide pour un vieux. Hein. Il est quand même rapide pour un vieux. On dirait qu'il y a quelque chose dans le coin. Minerai vermillon. Trace de fouille. Oh bon, je ferai ça. Enfin, puisque voilà, moi je préfère avancer dans l'histoire. Bon, je pense qu'il faut aller par là-bas. On est d'accord. Allez. C'est signe de quoi déjà? ここって同士に4つの火力あり、すなわち地水火風、祖は最下の剣種に対する剣なり。世界に試しの祠あり、同じく地水火風、祖は力と心の試練なり。 力は心に発し、心は力を収める。心力合せば汚れを払い、心力に溺れれば己神を焦がさん。試せや同志、その意を奮いて、答えを同志、その意として。火力の秘文暗記してたのか? すごい。全然意味わかんないけど。つまりだね。4つの力を得られる4つの場所がある。そこの試練に合格しろってことだね。了解。その場所を探せばいいんだね。いや、てか、まさかここが。そう、ここが火の試練神殿イグレインです。
入ってもいいかな。ってここまで勝手に入っちゃったけど。試練の神殿は死の危険を伴う場所とされます。それでも行くよ。秘密の神殿見てみたいし。お行きなさい、若き同志よ。ここはあなたのための場所です。So... Alors, déjà on va sauvegarder, voilà, à l'auberge, voilà, sauvegarde réussi. Et on va rentrer pour notre épreuve du feu. Wow. Je sais pas si la musique était assez forte pour que vous l'entendiez, mais elle est très très classe. Mais la musique, je l'ai mis à combien? Système, option. Hop. Volume de musique. Quitter. Ok, on est d'accord, confirmé. Ah, classe, classe. Bon, je vais quand même baisser, voilà. Allez, on y va. On ouvre. Ok. Ouais, on a l'air extrêmement vieille, en effet. Les affections d'état. Les ennemis résistants au feu ne peuvent pas être victimes de brûlures. Même s'ils encaissent des dégâts. Ok. Oh oui, c'est grand. Ah oui. Ok, donc ça a l'air d'être à peu près la même chose des deux côtés. On va bien. Mon corps brûle d'excitation. Ok. Ok. What the fuck? Je vais regarder l'araignée. 10 orbes. Niveau 31, ça va. On est au bon niveau. On est au bon niveau. Les 10 orbes font partie des aiguillons araignées les plus puissants. Ok, ok. Ok, bon, on va les direct. On s'en fout, nous. Et boum. Ah. Par contre, elles sont résistantes, hein. Là, quand même quelques coups. Donc moi, je suis avec des ailes. Et Rose est avec Elna. J'avais mis des ailes avec moi. Oui, c'est vrai. En effet, en off, j'ai changé. Même si j'arrive pas trop à bien maîtriser l'armature de des ailes. Enfin, la forme blanche, quoi. C'est pas encore ça. En tout cas, pour l'instant, l'armatus que je préfère, c'est celle avec Layla, hein, l'armatus du feu. C'est plus simple, le plus classico. Tiens, allez. Bon, attendez, je récupère un petit peu mon énergie. Et attaque contenue. Le truc arrive à contenir mes attaques. Voilà. Par contre, là, on... Elles étaient vraiment résistantes. 175. Nice. Dégage. Donc on vient d'ici. On va passer par ici. C'est quoi ça? Ouais. Oh ok 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 ok. Ok. Ah bon, je peux pas passer. Très bien. Ok, bah, c'était bien feu. Ce loup crache du feu. Attention à ses attaques latérales. Ouais, ils arrivent à bloquer mes attaques. C'est terrible. Tiens. Hop, non, ça va... Oh, j'ai voulu faire mon attaque spéciale, mais bon, ça va pas marcher. Bon, oh, je vais pas l'utiliser juste pour un loup, quoi. D'ailleurs, il reste plus... Il y en a deux. Eh, le loup, là, calme-toi. Eh, ils sont niveau 31, ok. Eh bien, pas bien. Dégage. Moi, c'était ton pote que je voulais taper, mais bon, si tu veux te sacrifier pour lui... Ah oui, d'accord, ils sont violents. Ouais, mais il y en a encore un autre. Ah d'accord, on avait pas du tout rect... Ah, il y en a deux autres. D'accord. Je pensais qu'on allait éliminer un ou deux, quoi, déjà. Mais apparemment, c'est pas trop le cas. Allez, boum, boum, boum. Ah, rect. Casse-toi. Là, il en reste plus qu'un, on est d'accord. Tiens, voilà. Ouais, je vous laisse vous charger de la suite. Voilà, 246. Bon, apparemment je ne peux pas passer. En tout cas, il y a une belle musique.
Oh putain! Mais laissez-moi profiter de la musique! Bon, quoique... Par contre, j'aime bien que... Entre les combats et les sessions où on peut se balader un petit peu n'importe où, eh bien, ils stoppent pas la musique, c'est la même. Et ça, c'est bien. Ça donne l'impression de... Le jeu continue. Il n'y a pas de pause. Allez, boum boum. On termine cette pauvre petite araignée. Hop, voilà. 187. Ouvrir. Bon, du coup, il faut passer par l'autre côté. Hein. Oui, elle a lavé tout. Je sens qu'on va se taper un méga boss. Ça va être terrible. Mais what the fuck? Non? Quelle chaleur! C'est pas l'épreuve du feu pour rien. J'arrive à peine à respirer. Pour la première fois de ma vie, je rêve de porter ces tenues improbables courtes de jeune guerrière. Bien joué ça. Bon, par contre, oui. Les potes, je ne peux pas tout ouvrir. Je ne peux pas tout ouvrir. Du coup, je suis un petit peu bloqué là. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. J'ai pas 10 000 passages. Hein. Ici. Ok. Ok. Alors, on va examiner un petit peu tout. On va essayer d'examiner un peu tout. Je pense qu'il doit y avoir une énigme. Bah, déjà, quand il n'y a pas de petit sigle au-dessus de la porte, j'ai l'impression que... Ça m'a fait peur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Enfin, qu'on peut pas ouvrir. Ah, ici, j'avais pas vu. Voilà. Petite flamèche. Et c'est ouvert. Ouvert. Ils n'ont pas tout vert. Waouh, non mais... Les ennemis qui pop comme ça devant moi, ça fait plaisir. Allez, arme à tous. Mais, oh, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu crois que je suis ton pote? Je crois qu'on va se battre comme ça. Attaque retenue, contenue. Allez, bouge-toi ça. Il reste plus que l'autre qui est là-bas. Sauf que mes attaques, elles me font reculer. Donc je sais pas trop comment le prendre. Comment... J'ai pas d'attaque. Des fois, je peux pas attaquer. C'est bien. Allez, je reste comme ça. Oh, la classe. La classe, niveau plus pour Rosé. Bon, du coup, on peut passer là-bas. Je vais essayer de visiter un petit peu tout le premier étage. On a des coffres. Tant que j'examine ça avec un anneau de feu qui n'est pas... Anneau qui réduit les dégâts de feu. Ok. Hop, 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 hop. Je vais de pêche. Ok, alors on va avancer. Est-ce qu'il y a d'autres... Oh là. Hop. On crame ça. Bon, en tout cas, les flammes dessus, elles sont pas très ouf. Merci, examiner. Camomille rouge. C'est bon, c'est ouvert. Ah, d'accord. Je pense que... Ah oui, non, mais après, s'il y a des mobs qui arrivent. Ouais. Attendez, il y en a plus que 3, là? Non. Ok, donc je pense qu'il y a un ordre. Il y a un ordre d'activation. Oh. Il me fait des peurs comme ça. Si on fait comme ça. Ok, ça va. J'ai eu du bol. Let's go par ici. Et on a ça. Ok. On a de la lave qui tombe. Ce qu'on voit... Où est-ce que ça tombe? Ok, d'accord, c'est pour augmenter le niveau de lave. Du coup, on peut pas aller partout maintenant. Ça, c'est bien joué. Donc là, on retrouve un petit peu... là, c'est un premier vrai donjon avec des énigmes. Un petit peu... bon, ça va me faire penser à Zelda. Hein. De toute façon, c'est un petit peu les...
les gens comparent souvent ce jeu à Zelda, bon, puisqu'il y a des donjons, etc. C'est un petit peu un raccourci, ça devrait faire l'affaire. Ah oui, d'accord, je prépare un encas. C'est un petit peu un raccourci, vu que bon, c'est juste un jeu où il y a des donjons, etc. avec quelques énigmes. Bon, le gameplay, clairement, c'est pas pareil, mais... par contre, s'il faut... Ben, il y en a 4 des trucs. Vous savez le nombre de possibilités qu'il y a en... Ah, ou alors il y a une indication. Je vais regarder au plafond. Pas d'indication. Alors. On va faire comme ça. Comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas d'indication, donc c'est un petit peu... Hop, hop, hop. Bon, on va voir à côté. On peut ouvrir ici, ouais, on peut ouvrir. Sinon, il n'y a rien ici. Par là-bas, il va y avoir des coffres. Nice. Ça va, je prédis bien. Le tatou de feu, 3600 gold, allez. Gelée de pommes, allez. Ah, il fallait que je tombe sur celui qui avait... Je vois qu'on va se brûler celui-ci. Non, pas de cran à rouler partout. Très bien. Bon, ils sont vulnérables au feu, hein. À l'eau, on s'en doutera un petit peu. Allez, boum. Pas bon le dos. Non, il n'y a pas bon le dos ici. Arte mystique. Bien joué, Rose. Allez, il n'y a plus que un ou deux, allez, boum. Bon, lui, mais cher. Je crois qu'il y en a qu'un. Il y en a deux, parce que les deux autres, je les vois pas, et puis je sais pas où elles sont. Allez, c'est terminé maintenant. Il reste un, avec un petit peu de vie, qui va die d'ici peu. Hop. Oh, mais... Oh, mort. Ok. Bon, ok, je sais pas pourquoi il parle de ça. Alors, on avance. Ok, par contre l'araignée, tu vas te calmer. Ok, ça va nous faire aller de l'autre côté. J'adore la musique. Hop, 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 le loup. Le loup. Non, non. Putain. Oh, je suis vénère. Allez, on va changer. On va prendre Mikleo. Puisqu'il utilise des attaques haut. Et c'est très fort. Non, c'est donjon. Tiens. Bon, ils ont l'air un petit peu moins résistants. Ou alors on est plus fort, je ne sais pas. Ah. En tout cas, on a l'air de les mettre un petit peu plus rapidement. Il en reste plus que deux. Allez, on va changer. Allez, lève-toi ça. Boum, 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 boum. Et le dernier. Eh, hey, arrête de fuir. Reviens là. Roméo. Quel moment tu nous respectes pas à fuir comme ça. Alors. Oh. Il y a des mobs partout par ici, c'est terrible. Laissez-moi tranquille. Oh là là, ils sont vénères. Nos amis les Séraphins sont assez vénères actuellement. Ils leur font très très mal. Allez, je m'éloigne. Allez-y, rectez-les. Ok. Toi l'araignée, tu vas rien faire. Okay. Bon, apparemment, elle a quand même lancé son attaque. Hein. Je veux dire, elle s'est pas arrêtée pour moi. Tiens. Ça, il nous reste deux petits loulous et le petit araignée nénéné. Lui il est bientôt mort, c'est bon. On récupère un petit peu et on va lui mettre les bons petits dégâts. C'est vrai qu'on peut changer les arcs en combat, mais c'est chiant. Je dirais que c'est chiant. On peut passer par ici, hein. Oh là, cette musique, j'adore.
Du coup, bon là c'est un code à deux trucs, hein. Bon, clairement, ça... Ou alors j'ai pas vu qu'il y en avait deux autres. Enfin, il y en avait deux, et j'ai pas fait d'un. Ah, il faut en ouvrir. Il fallait en allumer qu'une. Ah bah non. Je sais pas pourquoi ça s'est éteint, vraiment. Ok. Ah, il y a un coffre. Un coffre. Course brûlante, ok. Donc c'était juste pour un coffre ici. J'ai fait ce puzzle difficile rien que pour ça. Bon, pas vraiment. Attendez, je regarde à combien de temps on en est, puisque là ça fait quand même un petit peu plus de 30 minutes. Ah, on vient de passer 30 minutes d'épisode. Eh bien, on va examiner ça. Un gâteau roulé. Des. Wow. Ok, une tête de loup de feu. Ortlind. Alors attendez, je vais éviter nos poteaux. Je vais essayer de revenir tout en haut et on arrêtera l'épisode là. Ce sera peut-être un petit peu plus long. Allez, on passe par ici. On va monter là-haut. Voir, normalement, il y a des choses à faire en haut, je crois. Tac. Toc. C'est bon, on est en haut. On a... Oh, non, tu arrêtes. Et là, on peut revenir au début. On a un coffre ici. Je vais ouvrir anneau de flamme, anneau des flammes. Et on va passer par là. Passer comme ça. Et c'est bon, c'est ouvert. C'est ouvert. Je fais toujours la petite liaison. Donc bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et l'autre truc ne crache plus de lave. Je ne sais pas si c'est normal. Bref, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. On se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.